Nous sommes maintenant à la veille de Shabbat Parshat Vayakhel Pikudé et Parshat Achodesh, car le Shabbat avant Rosh Chodesh Nissan, nous lisons toujours la Parashat Achodesh qui nous parle de la première mitzvah qu'Hachem a donnée au peuple juif, à savoir établir le calendrier juif et évidemment les jours de Rosh Chodesh. Il y a beaucoup de sujets dans ces deux Parshiyot, car on parle de la mise en place et la construction du Mishkan et comment finalement la préparer pour l'inauguration. Il y a un sujet qui est quelque part frappant dans cette paracha, c'est l'histoire de Kior. Les femmes du peuple juif, ils ont amené leur miroir qui était fait de cuivre afin d'offrir ces matériaux pour donner pour la construction du Mishkan. Moshe Rabbeinu, au départ, il a dit, prendre des miroirs, les utiliser pour le Mishkan, ça se fait pas. Mais les femmes, ils ont, si on peut dire ainsi, fait la première manifestation. Ils ont tous manifesté devant la porte de Moshe Rabbeinu pour l'exiger qu'il accepte. Et finalement, Hachem a dit à Moshe Rabbeinu d'accepter ses miroirs. Et là, il y a un message très important qui est à savoir que ce n'est pas important ce que nous faisons. On peut faire des choses sacrées, comme on peut également faire des choses physiques, matérielles, des miroirs, ou peu n'importe, mais tout dépend pourquoi on le fait. Si on fait même un acte matériel, mais on le fait parce qu'Hachem a demandé, il y a une valeur extraordinaire. Si quelqu'un va étudier ou prier, mais qu'en même temps il ne pense pas à Dieu, mais qu'il pense à autre chose, effectivement cette prière, cette étude va manquer de sa richesse, de sa force spirituelle, car la personne le fait peut-être pour des intérêts, et pas forcément pour Kadosh Baruch Hu. Le sanctuaire, le Mishkan que nous devons construire chacun chez nous, dans notre cœur, dans nos maisons, c'est effectivement de rendre l'endroit où nous sommes kadosh, avec une force particulière, et ceci se fait par notre attachement, et par le fait que nous faisons ça fidèlement pour Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, nous devons attacher un très bon Shabbat, ce Shabbat va venir le mois de Nissan, Rosh Chodesh Rosh Chodesh jeudi prochain, et donc, Parshat HaChodesh, alors on espère que Kadosh Baruch Hu également va nous amener un nouveau temps, qui va commencer l'attachement très bientôt avec la Minima Shia Tzidkeinu. Entre temps, Kadosh Baruch Hu nous donne une largesse absolue de tous les matériaux nécessaires afin qu'on puisse déjà construire entièrement le Mishkan dans nos maisons et dans notre cœur. Et très bientôt, l'attachement avec la Minima Shia, on aura le Beit HaMikdash HaShlishi, Shabbat Shalom et Besorot Tovot.